OK. Donc, est-ce que tu peux me partager l'un des doigts pour partager l'écran? OK, je vais le faire. C'est 2, 3, 1, c'est bon, go. Donc, bonsoir, Dr. Ouattara. Merci d'avoir accepté justement notre invitation sur notre série de webinaires Zoom sur ta passion. Et nous serons justement très intéressés à pouvoir t'entendre. Nous serons très intéressés à pouvoir t'entendre, nous partager justement ta passion sur, sur le recrutement au niveau international. Donc, je ne vais pas faire long. Désolé, on a perdu 10 minutes. Et donc, je te passe déjà la main pour que tu nous fasses ta belle présentation. Et merci de la confiance. Merci. OK. Merci, Noli. OK. Merci à toute l'équipe pour donner l'opportunité de pouvoir parler de ce sujet-là. Et je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, oui, on voit ton écran. Okay. OK, parfait. Donc, déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Dester Ouattara. Je suis en charge de produits à Codeline et aussi en charge de recrutement. Bien avant cela, j'étais développeur web en Côte d'Ivoire et je travaillais pour des compagnies d'ingénierie et aussi pour le ministère de l'enseignement technique. Avant de passer au Ghana pour rejoindre le programme de MEST, qui est un programme d'entrepreneurs. Et durant ce programme-là, j'ai pu me perfectionner côté marketing, business, et à la fin de ce programme d'un an, j'ai pu monter un projet avec mon équipe qui est composée de Nigériens et de Kenyans. Donc, on a lancé notre produit qui s'appelle Codeline, qui est une plateforme de recrutement qui permet aux entreprises d'être en relation avec des développeurs à travers l'Afrique pour travailler sur des projets en remote ou en présentiel. Voilà. Donc, là, c'est ma présentation. Déjà aussi, j'ai tenu à parler de ce sujet-là parce que, comme je disais, ça fait partie du corps de métier de Codeline, qui est de permettre aux entreprises de raccourcir les temps de recrutement. Par exemple, pour une entreprise de manière classique, ça prend environ 3 mois à 4 mois pour pouvoir recruter pour un profil critique. Qu'est-ce que profil critique? C'est-à-dire un lead software engineer, ça prend au moins 3 à 4 mois pour les standards internationaux. Lorsqu'on a une liste de candidats qu'on trouve potable pour pouvoir faire l'interview, ça demande au recruteur au minimum 3 heures. 3 heures, c'est le temps pour discuter, pour appeler déjà le développeur, discuter avec lui, pour pouvoir boucler un rendez-vous, tout ça. Faire d'autres calls encore pour vérifier les skills. Après encore, faire des réunions avec l'équipe en interne pour voir si le développeur correspond aux critères et tout ça. Donc, pour un recruteur, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et pour les entreprises, les personnes qui sont en charge de ce volet-là sont des développeurs seniors de l'entreprise. Donc, c'est trois heures de travail qui on peut dire gâcher à discuter pour recruter des nouveaux membres de l'équipe. Mais vu que c'est une tâche qui est vraiment très importante, ça serait gâché pour eux de recruter quelqu'un qui ne correspond pas aux attentes. Donc, ils sont prêts à consentir à ces heures-là. Mais nous, à Codeline, on leur permet de réduire ce process-là d'environ 2 semaines. C'est-à-dire, avec l'entreprise avec laquelle on a travaillé, on a réussi à faire passer la durée de recrutement à 2 semaines environ. Pour d'autres postes qui étaient vraiment très spécifiques, on passe à 3 semaines ou voire 1 mois. Pour eux, c'est un gain de temps, c'est pourquoi ils essaient de travailler avec nous. Donc, on a pu, par exemple, travailler le recrutement de Digital Ocean. Je pense que
une bonne partie des développeurs connaissent un peu déjà l'océan. Ils sont aux États-Unis et ils font du DevOps, permet de hoster les sites internet des personnes et l'infrastructure. On a travaillé avec eux c'était avant le confinement et tout ça, c'était en décembre. Sur le recrutement au Nigeria, aussi avec une compagnie appelée Rintio, qui est basée en France, pour laquelle en fait de recrutement, on leur permet d'avoir des développeurs qualifiés. Express Pay, c'est au Ghana, c'est une plateforme de paiement fintech. Et on a aussi fait du recrutement aussi pour Wikipédia. On a réussi à avoir un développeur basé au Cameroun pour rejoindre l'équipe. Et dernièrement, on a pu réaliser le recrutement pour cette banque, Union Bank, qui recherchait environ 50 développeurs pour rejoindre leur pool. Et on a réussi à gérer ce recrutement à moitié. Pour eux, déjà, c'était déjà quelque chose qu'ils n'avaient pas encore pu faire avec leurs précédents compagnie de recrutement, parce que ils cherchaient vraiment des personnes qui sont vraiment très compétentes, qui ont un profil assez élevé en Java, en .NET ou en web development. Donc, pour eux, le fait qu'on ait été capable de envoyer 25 développeurs filtrés et qu'ils ont pu recruter, c'était déjà une chose qui sort de l'ordinaire. Donc, on a pu avoir un contrat avec eux pour pouvoir jouer leur recrutement. Actuellement aussi, on est en discussion avec d'autres banques et on espère, on croise les doigts que ça puisse marcher, parce qu'avec la période de confinement, c'est assez compliqué de discuter avec des partenaires. Donc, je pense que je vais avancer un peu dans la présentation pour aller au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment se positionner en tant que développeur pour pouvoir s'exporter, pour pouvoir avoir accès à des offres à l'international, déjà même en local, pouvoir se positionner avec des entreprises, pouvoir se créer une crédibilité, se créer une certaine visibilité, pour pouvoir avoir des offres qui nous intéressent. Donc là, la session sera beaucoup interactive, donc vous pouvez envoyer des messages, je ne sais pas comment avec Noli ça s'est passé, pour prendre les questions et qu'on puisse aller sur des points bien spécifiques. Mais il y a des notes que je vais partager rapidement. Déjà, lorsqu'on est développeur, que ce soit une femme ou un homme, c'est plus ou moins la même chose. Il faut déjà, lorsqu'on commence sa carrière, se poser des bonnes questions. Se dire, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? C'est vrai que dans le monde du développement, il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de compétition et il y a beaucoup de choses à gérer. C'est-à-dire, lorsqu'on est un développeur, peut-être que notre goal, notre objectif, c'est de travailler pour une très grosse compagnie. Peut-être qu'on rêve de travailler, par exemple, pour Microsoft, pour Facebook, ou ce type de compagnie. Je connais des personnes personnellement que j'ai rencontrées ici au Ghana et au Nigeria qui ont juste l'objectif de travailler pour ces grands groupes. De travailler pour une entreprise locale, c'est juste une solution de rechange en attendant de pouvoir atteindre ce goal-là. Pour certaines personnes, ils cherchent juste à avoir une stabilité financière, travailler pour une entreprise et avoir un salaire à la fin du mois et juste pouvoir vivre. Ils ne considèrent pas forcément le coding comme une passion. C'est un moyen de pouvoir vivre. Donc, en tant que développeur, en tant qu'aspirant, il faut pouvoir se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment se projette déjà sur 10 ans, sur 20 ans? Quel type d'entreprise on projette de travailler? Et ces questions-là, faire le malin, mais ce n'est pas des questions que je me suis posées au début de ma carrière. Mais lorsque j'ai commencé à faire des recrutements, j'ai commencé à avoir des profils
qui sortaient vraiment de l'ordinaire. Et on commence à comprendre que avoir un profil, ça se décide au fait. Parce que lorsqu'on regarde certains CV, tu te rends compte que la personne, depuis son cycle universitaire, à la position qu'elle occupe, elle savait exactement quel type d'entreprise il fallait travailler, quel type d'expérience il fallait avoir, ce genre de choses-là. Et ça s'apprend et ça se décide. Donc, pour maintenant, pour pouvoir atteindre ce type d'offre-là, il faut déjà pouvoir mettre la barre haute. Quand je dis la barre haute, tu rêves, par exemple, de travailler pour une compagnie comme Facebook. OK, ça, c'est un objectif de carrière. Tu rêves de travailler pour une entreprise comme Facebook ou Google. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas la même préparation que de se dire qu'on va travailler pour une compagnie locale ou pour une start-up. Ce n'est pas la même préparation, ce n'est pas la même manière d'aborder sa carrière. Donc, c'est pourquoi il faut pouvoir écrire un plan de carrière. C'est dire, OK, ce plan de carrière, ça dépend de plein de facteurs. Par exemple, personne n'a prévu qu'il y aura Corona ou qu'il y aura que la vie, c'est un long fleuve tranquille. Non, mais il faut pouvoir se dire, OK, lorsque je suis développeur informatique, voici les différents tools que je dois maîtriser. Voici les types de compagnies qui m'intéresseraient. Voici le type de poste par lesquels je suis attiré. Mais j'ai entendu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ils prennent seulement ce qu'ils ont. Ils ne travaillent que pour des compagnies pour lesquelles ils peuvent. Qui sont intéressés par elles. Par exemple, c'est dit que j'ai envie d'avoir un gros poste, mais si une compagnie. Une start-up ou une compagnie qui ne répond pas à certains critères, à certains standards, me dit, OK, puisqu'ils sont capables de me donner de l'argent pour pouvoir travailler avec eux, OK, je vais travailler avec eux. Mais il faut comprendre aussi que derrière, lorsqu'on travaille pour une compagnie, c'est marqué sur le CV. On doit les marquer sur le CV. Et pour un recruteur, à la fin, lorsqu'il va regarder le CV, il va regarder le profil de tout ça, il pourra se faire une idée. Cette idée va être biaisée, mais il va se faire une idée de quel type de profil du candidat qu'il a en face de lui. Donc, il faut pouvoir être intentionnel dans ses demandes d'embauche. Savoir exactement ce qu'on recherche dans l'entreprise et ce qu'on peut leur apporter. L'autre chose aussi, il faut pouvoir faire sa veille, pouvoir s'informer. Je pense que pour toutes les personnes qui ont fait les précédents meetings, donc, toujours parler de cela, pouvoir faire sa veille, pouvoir être à jour sur les nouveautés, sur les standards, les nouveaux standards et pouvoir essayer de faire la mise à jour. Et je pense que pour tout plan, il faut pouvoir appliquer son plan. Pouvoir se dire, OK, j'ai envie de faire tant, mais quels sont les moyens? Et à la fin, il faut pouvoir l'appliquer et être aussi, pouvoir accepter aussi de faire des erreurs. Ça, je ne pense pas qu'une personne qui développe et qui n'accepte pas l'échec ou qui n'accepte pas de faire des erreurs puisse faire carrière ou faire un développement. Je pense qu'il faut être juste résilient. Là, je voulais juste partager ce même. Je pense que beaucoup de personnes ont dû le voir. C'est juste un junior développeur qui demande à un senior son avis pour pouvoir développer. Et il voit que le gars, il maîtrise, par exemple, React, Vue.js, Node.js. Et OK, tu peux juste venir là, tu peux juste apprendre, c'est fun, c'est pas compliqué. Mais il faut pouvoir comprendre qu'à la fin, c'est un long apprentissage. C'est vraiment un long apprentissage. Il faut apprendre les bases, les fondations. Il faut avoir les fondations. Et aussi, à la fin, il faut pouvoir se dire, ce n'est pas une course au fait. Ce n'est pas une course, il faut pouvoir prendre son temps pour pouvoir apprendre auprès des personnes, des devanciers. Là, je pense que c'est l'un des problèmes au fait pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire, j'ai reçu plein de CV dans la compagnie lorsqu'on doit recruter pour des personnes qui mettent beaucoup trop de qualifications sur les CV. Par exemple, pour quelqu'un qui a moins de 2 ans d'expérience,
et qui met sur son CV qu'il a des notions en Laravel, en Vue.js, en React, en React Native, en C Sharp, en plein de langages. Pour un recruteur, c'est dit déjà, soit il a affaire à quelqu'un de à un génie, ou soit il a affaire à quelqu'un qui est juste un junior, qui pense que juste faire un hello world ou pouvoir faire un for loop ou pouvoir faire ce type de choses-là, c'est suffisant pour mettre sur un CV qu'on maîtrise, qu'on maîtrise un langage. Donc là, il y a une roadmap que j'aime beaucoup partager. Je vais vous partager le lien. Je vais vous partager le lien qui s'appelle roadmap.io. Et c'est des développeurs qui ont... D'accord, tu peux mettre le lien dans la discussion. La discussion? Oui, tu peux mettre le lien dans la discussion. Merci. OK. Je vais ouvrir le site Internet. J'ai l'impression que ma souris... OK. Mieux. Je vais juste renvoyer là, converser, envoyer à tout le monde. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à contrôler la souris. Ah bon? Oui. Là, je vois ce que tu as écrit, ça m'empêche de... Allô? Noélie? On dirait qu'on a eu encore un Zoom Bomber là. Qu'est-ce que c'est? On a eu un Zoom Bomber là, on dirait que c'est ce que Noélie est en train de gérer. Ah, OK. OK. Allô? Allô? Je pense que c'est mieux maintenant. Tu as le contrôle de ta machine? Okay. Oui. OK. Là, je vais essayer d'ouvrir le site encore. OK. Donc, sur cette plateforme-là, on a une roadmap pour les développeurs informatiques. Par exemple, ici, on a... une personne qui veut devenir front-end développeur, un back-end développeur ou un DevOps, il y a un parcours. Là, si je clique par exemple sur front-end, on peut voir ici pour un front-end quelles sont les différentes compétences à avoir ou les soft skills. C'est-à-dire, les soft skills, c'est les prérequis à avoir pour pouvoir avoir commencé cette carrière-là. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'Internet et tout ça, toutes ces notions-là. Après, apprendre HTML, CSS, JavaScript, les notions qui sont attachées à cela par rapport au SEO, comment déjà faire un design responsive et tout ça. Take the team. What? Pouvoir... Bring it, let me see. OK. Il faut pouvoir aussi savoir comment utiliser Git. Par exemple, je vois sur plein de CV, plein de développeurs qui n'ont pas un lien GitHub, qui n'ont pas un profil GitHub ou qui n'ont peut-être même, ils ont bien souvent jamais utilisé GitHub. Pour 2020, c'est pour une compagnie qui voit un développeur qui n'a aucune notion de GitHub, c'est déjà un refus catégorique déjà pour une compagnie de recruter, même si on est junior. Et donc, il faut pouvoir savoir utiliser GitHub et pouvoir les mettre dans son workflow. Aussi, là, c'est tous les gestionnaires des paquets comme NPM, Gulp, qu'il faut connaître, être familier et après s'intéresser lorsqu'on est suffisamment bon en JavaScript pour sélectionner un framework qui peut être React parce que React a le vent en poupe actuellement. Donc, il y a React qu'il faut apprendre avec
un gestionnaire des states comme Redux ou Mobis. Ça, là, c'est vraiment au goût. Et puis, c'est vraiment au goût. Choisis un gestionnaire des states et pouvoir comprendre déjà comment ça fonctionne. Et derrière tout cela, il y a toutes ces notions qu'on a. Donc, c'est vraiment un parcours d'apprentissage qui est fourni sur cette plateforme et qui est mis à jour chaque année. Et le site, c'est totalement gratuit et derrière, ils mettent même de l'information pour pouvoir apprendre beaucoup plus. Donc, si je reviens sur le slide, c'est pour dire que pour être un développeur maintenant, c'est vraiment important de pouvoir utiliser une plateforme comme roadmap.io ou toute autre plateforme parce que c'est assez simple de se perdre lorsqu'on est développeur informatique. Et pour beaucoup de personnes, l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils veulent des généralistes. Pouvoir dire, OK, je vais essayer de multiplier mes chances. Si je mets sur mon CV que je maîtrise PHP, je maîtrise Java, je maîtrise C#, j'ai plus de chances de me faire recruter. Mais pour le type de clients que nous on reçoit, ils sont plus intéressés par des profils intermédiaires ou des profils experts. Et ils n'attendent pas quelqu'un qui fait 1000 choses à la fois. Ils recherchent quelqu'un qui est confortable dans un langage ou deux et qui a un profil clair. Soit la personne, c'est un front-end développeur. Donc, ils s'attendent à ce que quand tu dis que c'est un front-end développeur, que le HTML, CSS, c'est pas un souci pour toi, le JavaScript, surtout le JavaScript, et que au moins, tu sois capable de produire une application avec React ou Vue ou avec Angular. C'est ce qu'ils attendent d'un front-end développeur. Et aussi, qu'on est capable d'utiliser un langage back-end, un framework back-end comme Node.js derrière. Donc, c'est à ça qu'ils s'attendent. Si on essaie de créer un profil plus back-end, il faut que ce soit bien clair que, par exemple, vous utilisez par exemple Python et que Flask ou Django, c'est maîtrisé et que la gestion des bases de données, tout ça, c'est OK, vous êtes capable, vous êtes autonome de pouvoir créer une application. Ou si c'est un profil beaucoup plus DevOps, il faut avoir de l'expérience avec Kubernetes et toutes les plateformes qui sont à faire. Donc, ce que je peux dire de ce côté-là, il faut essayer d'avoir un profil expert. Un profil expert, c'est une personne qui, à partir du CV, on peut se dire, OK, cette personne, c'est un front-end, c'est un back-end, c'est un DevOps, ou peut-être même que c'est un full stack. Parce que le full stack, c'est un peu le graal pour beaucoup de développeurs, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée pour avoir un emploi. Là, je peux dire sur 90% des emplois qu'on a eu, et les personnes qui ont travaillé pour ces compagnies-là, la compagnie recherchait seulement qu'une seule compétence. Et les autres, c'était des bonus, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils recherchent. Ils disent qu'ils recherchent un développeur React, ou React.js ou React Native. C'est ce qu'ils recherchent. Donc, lorsqu'ils regardent sur le CV, ils voient la mention React, il y a des applications, il y a des exemples, il y a un profil qui est clair. Ils se disent, OK, j'ai eu mon développeur React. Le reste, si vous dites que vous savez faire du Laravel, vous savez faire du Python, c'est un bonus qui va vous permettre de vous démarquer d'autres CV, mais ça sera pas la chose décisive au fait pour eux. C'est est-ce que la personne est expert dans son domaine. Je ne sais pas si c'est pas très clair. Vous pouvez toujours prendre des notes et pour la séance des questions-réponses, on pourra revenir dessus. OK. Déjà, comme je disais, il faut pouvoir dessiner un profil de carrière. Et le plus gros problème en tant que développeur, c'est de choisir. On ne voit plus ta présentation. Hein. On reste sur le site ou on revient sur ta présentation? Bien sûr, juste la présentation actuellement. Non, du tout. Nous, c'est juste la roadmap des développeurs qu'on voit. Wow. Donc, on fait un autre partage pour revenir sur ta présentation. OK. Donc, nouveau partage.
la barre d'outils de... OK. Vous avez mon écran? Oui, c'est bon. OK. Enfin. OK. Donc là, je disais, pour un développeur, il faut pouvoir avoir un profil de carrière. Et pour avoir ce profil de carrière, il faut décider pour quel type d'entreprise on veut travailler. Parce que tout ce qu'on fait, c'est d'être intentionnel. Par exemple, vous rêvez de travailler pour une banque. C'est peut-être votre objectif qui est là, travailler pour une banque. Et lorsqu'on veut travailler pour une banque, il faut savoir quel type de langage ils utilisent à l'intérieur de cette banque. Par exemple, dans les membres de la banque, ils passent sous votre contrôle, c'est C#, c'est .NET, c'est Java, en priorité pour les compagnies. Maintenant, ils ont commencé à recruter côté web. Côté web, mais ce n'était pas vraiment les outils qui étaient en priorité pour le recrutement. Donc, il faut déjà se dire, je vais travailler pour une banque, je vais travailler pour un grand groupe, voici les langages que je dois apprendre. Et lorsqu'on apprend ce type de langage, il faut s'attendre aussi à ne pas avoir de la demande, une forte demande, déjà du côté des startups et des petites entreprises, parce que ce n'est pas des technologies qu'ils valorisent nécessairement. Parce qu'il y a très peu de personnes qui utilisent ces langages-là et ils sont beaucoup plus portés sur les langages qui sont beaucoup plus utilisés par les développeurs. Lorsqu'on se dit, OK, je n'ai pas d'expérience, je viens juste de l'école, je cherche juste un emploi rapide, il faut déjà commencer à penser côté start-up. Et lorsqu'on pense côté start-up, les start-up sont beaucoup friands de nouveaux frameworks. Par exemple, il y a eu un moment où c'était avec Angular, après, c'est devenu complètement React. Et là, il y a de la demande, une demande assez forte avec Flutter. Donc là, on voit bien que ça ne fait pas peur à une startup d'opposer un nouveau framework ou un nouveau langage. Tant que pour eux, il y a la valorisation de dire, OK, on utilise les dernières technologies et tout ça. Donc, pour un junior, c'est des choses qu'il faut pouvoir regarder et se dire, OK, voici ce que je dois apprendre pour pouvoir entrer dans une startup. Et côté startup, il y a des métriques aussi à avoir. Une startup ne va pas forcément chercher quelqu'un qui est expert dans son domaine parce qu'en premier, elle n'a pas forcément les moyens pour recruter. Donc, elle est beaucoup plus ouverte à recruter des juniors. Des juniors parce que ça coûte beaucoup moins cher. Eux aussi, ils sont déjà ouverts à former en interne pour que les compétences, pour valoriser déjà les compétences et pour déjà monter en compétences pour construire les applications. Et pour un junior, c'est vraiment une porte d'entrée de choix parce que là, on aura l'attitude de faire des erreurs, on aura l'attitude d'apprendre, on aura aussi l'attitude aussi de pouvoir concevoir des applications. Mais il faut se dire que ces startups-là, même si elles ne sont pas aussi regardantes que les grosses entreprises, elles reçoivent beaucoup de demandes et elles sont obligées à leur niveau d'être assez sélectives sur le type de personnes qu'elles recherchent. Par exemple, quelques startups qui nous contactent, par exemple, nous demandent juste un premier critère de base. Que la personne ait déjà créé une application de A à Z avec une base de données, un framework et tout ça, pour être sûr qu'on ne va pas venir apprendre les prérequis à cette personne-là. Les choses qu'elle était déjà censée connaître depuis l'école, on ne va pas venir réapprendre ça encore à la personne. Donc, lorsqu'on veut déjà entrer dans le monde du travail, il faut déjà avoir des projets personnels sur lesquels on travaille. On est capable de montrer au moins une application de mémo, au moins une application, un petit site e-commerce pour montrer qu'on a déjà l'autonomie suffisante pour pouvoir rejoindre une équipe qui va devoir se battre H24 avec ses clients et qui n'a pas forcément le temps pour former. Donc, il faut pouvoir déjà montrer cette autonomie. Et lorsqu'on a suffisamment eu de compétences à l'intérieur d'une startup, par exemple une année d'expérience ou 2 années d'expérience dans une startup,
et que les choses vont bien, ben, peut-être que le salaire ne suit pas et que pour toute autre considération, on pense qu'on peut gagner mieux ou qu'on peut progresser dans notre carrière. Il faut pouvoir considérer aussi le freelance, mais pas en tant qu'employé pour l'entreprise, parce que l'entreprise a déjà assez investi en vous. Et faire du freelance pendant que l'employé, il faut être sûr d'être capable de le faire. Il faut être sûr que ça ne va pas impacter sur le rendement de l'entreprise. Sinon, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent avec l'entreprise. Mais si on est sûr que son samedi, son dimanche ou ses soirées, on peut les utiliser pour travailler et que cela ne va pas impacter l'entreprise, le freelance vous permettra de tester des technologies auxquelles vous n'avez pas forcément accès en entreprise. Par exemple, dans la start-up, on vous dit par exemple que vous devez utiliser React, MongoDB et d'autres tools. Et vous avez envie d'apprendre par exemple Angular. Donc, dans cette startup-là, vous n'avez pas forcément le cadre pour pouvoir apprendre ce langage-là. Et peut-être que aussi, travailler sur des projets qui n'ont pas de finalité réelle, ça ne vous motive pas assez pour pouvoir apprendre le langage. Faire du freelance peut vous permettre de travailler sur ce type de projet, mais c'est vraiment lorsqu'on est organisé qu'on peut se permettre de le faire. Je pense que c'est vraiment un étudiant qui doit être bien nourri, parce que lorsque vous faites du freelance et que ça se voit sur votre CV, que par exemple vous avez travaillé pour une compagnie pendant 2 ans ou 3 ans et que derrière on voit que vous avez travaillé sur près de 10 applications ou 5 applications en freelance, la prochaine compagnie se dira, vous posera la question, est-ce que cette personne est sérieuse? Par exemple, pour la majorité des compagnies américaines qu'on a eues, lorsqu'ils voyaient un ingénieur qui met, par exemple, qui travaille pour une compagnie X et qui a 2 ou 3 autres projets en freelance dans la même période de travail, pour l'entreprise avec laquelle on travaille, c'est un rejet automatique. Peu importe vos compétences. Lorsqu'ils voient ça, ils disent, OK, ça ne doit pas apparaître sur un CV. Parce que si moi, je vous recrute, ça veut dire que vous n'allez pas être à 100% avec notre compagnie. Vous ne serez pas 100% avec le type de croissance de la compagnie. Et ça, pour des CV à l'international, c'est des choses qu'il faut proscrire ou qu'il faut trouver un cadre pour pouvoir les placer. Là déjà, je vais présenter rapidement côté CV. Le type de problème qu'on rencontre beaucoup et qui, je pense, font que près de 90% des CV qu'on reçoit doivent être forcément retravaillés avant d'être envoyés aux clients, parce que avec le recruteur avec lequel on travaille, ça ne prend pas plus de 15 secondes pour lire un CV, pour savoir si un CV est de bonne qualité ou pas du tout. Donc, il y a des erreurs à éviter. Je vais te donner déjà quelques astuces. Déjà, moi, j'avais un petit problème lorsque je commençais à rédiger mes CV. Et je me rends compte, le problème était assez simple. Hein, parce que sur mon CV, il y avait ma startup à moi. Il y avait mes activités en freelance. Et j'avais aussi d'autres activités que je faisais. Lorsque je mettais toutes ces activités avec mon expérience de développeur informatique, ça ne coordonnait pas. Par exemple, on voyait que je faisais du community management ou que je faisais de la formation dans une université privée de la place. Je donnais des cours à une université privée et une autre publique. Et ça ne cadrait pas avec les types d'offres pour lesquelles je postulais. Et je me suis dit, OK, au lieu d'avoir juste un CV qui va servir à toutes les offres, pourquoi ne pas avoir 2 CV? Un CV qui sera beaucoup plus côté community, côté levée de fonds et tout ça, et un CV qui sera beaucoup plus axé développement informatique, où je mets simplement les informations nécessaires pour avoir
des projets de développement informatique. Et lorsqu'on commence à se poser ces questions-là, on arrive facilement à créer différents CV ou différents types d'entreprises. Parce que une entreprise, une grosse entreprise, elle a par exemple un besoin assez spécifique. Elle s'est dit, on a peut-être 100 ingénieurs dans la compagnie, on a juste besoin de quelqu'un qui est très bon en React pour rejoindre l'équipe React. Elle, par exemple, elle est plus attachée à la qualité. Elle s'attend à ce que le code qu'on écrit soit de grande qualité, soit soit scalable et qu'il n'y ait pas d'erreur, de bug et tout ça. Donc, elle va beaucoup plus attirée par quelqu'un qui écrit des codes de grande qualité, par des algorithmes. J'ai conçu 10 applications, 15 applications. Par exemple, on a un client américain à qui on a proposé des profils. Et sur ces profils-là, il y avait des personnes qui avaient plus de 7 à 8 années d'expérience, qui ont travaillé pour des grosses entreprises comme Andela, pour ceux qui connaissent. Et juste à côté, il y avait des projets personnels qui étaient dans le même langage, mais c'était des projets en freelance. Cette compagnie dit, OK, je n'aime pas que la personne ait fait des freelance à côté, mais pour nous, ce n'est pas relevant. C'est-à-dire, ils ne considèrent pas les projets freelance comme des projets deep, des projets profonds, où un développeur va pouvoir appliquer toutes ses compétences. J'étais beaucoup plus attaché à des profils qui, au moins, quand on travaille sur un projet, un unique projet, sur au moins 2 années ou 1 année, ils disent que la personne qui a travaillé sur 1 année ou 2 années sur une application sait déjà qu'il faut avoir un workflow qui est suffisamment de qualité pour ne pas qu'il y ait des erreurs ou des pertes sur la base de données, qu'il n'y ait pas de problème lorsque un utilisateur est sur la plateforme et le site est offline. Une personne qui a travaillé ce type de aussi longtemps sur des applications sait que c'est assez critique. Il faut qu'il y ait différents stages avant de pouvoir mettre son application en ligne, d'avoir excusez-moi, j'utilise tellement d'anglicismes maintenant sur ce côté-là. Donc, ils savent qu'ils doivent avoir un serveur de production, ils doivent avoir un serveur de test. Ce serveur de test-là, on peut faire presque n'importe quoi là-bas, tester tous les nouveaux codes et tout ça. Et lorsque tout est parfait, on va avoir maintenant un serveur de production où tout doit être clean. Et pour une personne qui travaille sur une freelance, n'a pas forcément ces requises-là. Mais une personne qui travaille sur 2 années sur une même application comprend le cycle de vie d'une application. Et lorsqu'on écrit son CV, il y a plein de problèmes que les personnes font lorsqu'elles rédigent leur CV. C'est qu'elles ne racontent pas une histoire. Par exemple, je reprends mon exemple. Lorsque je disais qu'il y avait écrit 2 CV différents, il y a un CV où je me présente comme un entrepreneur. Tout est raconté pour raconter la vie d'un entrepreneur, son parcours et tout. Et le deuxième CV, il raconte la vie d'un développeur informatique. C'est 2 CV différents. Il raconte 2 histoires différentes et qui mettent en avant des qualités qui sont différentes. Je vais vous présenter par exemple un CV, un modèle qu'on utilise beaucoup dans notre compagnie. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Allô? Oui, j'arrive à voir ton écran. Vous voyez les CV, le modèle? Oui, c'est bon, le CV. OK, parfait. Donc là, par exemple, c'est un template qu'on apporte à nos développeurs. Pour ceux qui ont un CV qui laisse à désirer, mais d'autres, on est convaincus qu'ils ont le niveau qu'on a déjà testé. Donc, avec ce CV-là, c'est éditable. Par exemple, on a dit ça ici, que vous devez mettre votre nom, vous devez vous présenter en tant qu'un full stack, un front-end ou autre. Si vous avez un site personnel, vous pouvez marquer cette information, la ville, le pays, l'email. Un compte LinkedIn. Je vois beaucoup de développeurs ivoiriens qui n'ont pas de compte LinkedIn. N'ont pas de compte LinkedIn qui n'est pas mis à jour, qui n'est pas utilisé. Ça, c'est un gros piège.
vous verrez que la majorité des recrutements à l'international se font par LinkedIn. Une personne va venir juste voir votre profil. Il est déjà au courant qu'il y a le LinkedIn effet, où les personnes, suivant les qualités, ils se placent toujours comme le lead développeur de la compagnie et tout ça. Ils sont déjà familiers avec ce type de problème-là. Donc, ils vont peut-être vous suivre sur 1 mois, 2 mois, sur 3 mois, ou peut-être sur 1 an, pour voir ce que vous publiez sur votre LinkedIn et puis regarder régulièrement votre profil pour dire « Ok, je pense que cette personne est suffisamment mieux maintenant. » Aussi, le compte GitHub, c'est extrêmement important de l'avoir. Toutes les compagnies avec lesquelles on a travaillé, il n'y a aucune qui accepte un CV, c'est un lien GitHub. Donc là, il faut nécessairement l'avoir. Par exemple, là, on demande simplement à la personne de pouvoir mettre son poste, nom d'entreprise, l'année à laquelle elle a débuté son expérience avec l'entreprise. Et si c'est sa dernière expérience, pouvoir marquer cela ici. Et aussi pouvoir marquer la ville et le pays. C'est super important pour un développeur de pouvoir mettre que, à travers, par exemple, pour une compagnie en remote qui est en France, par exemple, de le mettre sur son CV. Ça augmente vos chances de pouvoir vous faire recruter par une entreprise beaucoup plus importante. Si vous avez travaillé pour une compagnie africaine, par exemple au Ghana, au Nigeria, au Kenya, le marquer sur votre CV, ça apporte une différence. Ça vous donne un certain avantage sur une personne qui va travailler dans un même pays, dans un pays, peut-être juste la Côte d'Ivoire ou peut-être juste pour la compagnie ivoirienne. Ça peut être assez intéressant, mais devant un profil qui a travaillé à l'extérieur, c'est assez différent parce qu'on se dit, s'il a réussi à passer le standard international, ça veut dire qu'il a déjà de la qualité. Donc, il faut pouvoir marquer ça sur le CV. Et il y a l'autre problème. La majorité des développeurs, lorsqu'ils écrivent leur CV, ils se disent que l'entreprise qu'ils ont marquée sur le CV est connue. C'est du type, j'ai travaillé pour Orange ou j'ai travaillé pour une compagnie de la place. Toutes les personnes du monde, la Terre, sont censées connaître cette compagnie-là. Ce n'est pas vrai. Si vous travaillez juste pour les compagnies de votre environnement, OK. Mais par expérience, je prends encore l'exemple de Andela, qui est une très grosse compagnie. J'ai eu à proposer des profils de cette compagnie-là à des compagnies américaines qui ne savaient même pas du tout ce que c'était qu'Andela. Ils ne savaient pas du tout. Ils ne savaient pas du tout les entreprises africaines, donc c'est pas du tout le nom, parce qu'ils ne sont pas connectés à l'Afrique. Donc, lorsqu'ils prennent un CV, ils regardent, OK, il dit qu'il a travaillé pour telle compagnie, il dit que c'est l'une des plus grosses compagnies du pays et qu'elle a fait, sa mission, c'était de réaliser telle mission. Sa mission était de réaliser tel feature ou bien elle avait telle responsabilité. Et aussi, voici les frameworks, les langages qu'il a utilisé, OK. OK. Pour eux, ça les parle plus. Ils se disent, OK, ils connaissent tel outil, voici ses responsabilités et voici ce qu'il a fait. Ils peuvent mieux se projeter que de simplement mettre le nom de l'entreprise. Et c'est vrai, si c'est vrai pour une entreprise comme Andela, c'est vrai pour une entreprise, il y a eu à partager des profils qui travaillent pour Orange ou pour d'autres compagnies encore. Si ces compagnies-là ne sont pas connues, elles sont connues en Afrique, elles sont connues par exemple en Europe, mais si elles ne sont pas connues en États-Unis, ça ne vous valorise pas parce que le nom de la compagnie valorise votre profil. Sur le CV aussi, il faut pouvoir lister au moins les 3 précédentes expériences. Pouvoir dire, j'ai travaillé pour telle compagnie, voici les compétences dont on. Parce que le recruteur, lorsqu'il regarde votre CV, se dit, OK, en 2020, vous travaillez pour telle compagnie, vous utilisez React. En 2019, vous avez travaillé pour telle compagnie, vous utilisez React. En 2018 ou 2016, vous avez travaillé pour telle compagnie, vous utilisez JavaScript avec Angular. C'est-à-dire que, OK, ça, c'est quelqu'un qui est suffisamment front-end développeur, qui maîtrise vraiment le front-end, qui est vraiment bon avec Angular
pour passer facilement à React. Donc, lorsqu'il lira juste sur votre profil, il y a OK. Ça make sense. Du type, c'est-à-dire, il correspond réellement à ce que je recherche. Et il y a une petite erreur que les développeurs font, c'est-à-dire qu'ils partent par exemple au bas du CV ou au haut du CV et ils commencent à lister des compétences React, Redis, AXIS, Webpack et mettre les années d'expérience là comme ça. Il faut les mettre à disposition des recruteurs, mais il faut toujours se rappeler que pour chaque expérience professionnelle, il faut pouvoir marquer ces compétences-là. Pour que la personne puisse dire, OK, il a 8 années d'expérience avec React, il a 6 années d'expérience avec Mongo. OK, il va commencer à calculer. Il a travaillé avec cette entreprise X. Il n'y a pas de React, il n'y a pas de mention de React. Il regarde pour l'autre application, pour l'autre poste. Aucune mention de React, il voit plus PHP, Laravel et autres. Et en bas, il me dit qu'il a 8 années d'expérience. C'est 8 années réelles, professionnelles, ou c'est juste 8 années de faire un petit tuto avec un langage où je crée une petite application miniature et je considère ça comme des années d'expérience. Donc, ce que je dis au fait, pour les entreprises africaines, ça peut passer parce qu'ils sont déjà habitués à avoir des CV de cette qualité-là. Mais pour une entreprise à l'international, ils sont assez méticuleux sans se regarder dessus. Par exemple, l'entreprise pour laquelle on recrute sont prêtes à déposer entre 1 500 à 6 000 $. Là, il y a une entreprise qui recrute un développeur Ruby avec nous et ils sont prêts à déposer 6 000 $. Donc, il y a des choses qui ne laissent pas passer. Ils sont vraiment très regardants sur le CV, sur la qualité et ils sont regardants sur l'expérience professionnelle. Et lorsque on n'arrive pas à compter une histoire dans son CV, vous dites simplement, on n'est pas intéressé à discuter avec ces personnes-là. Parce que pour eux, 30 minutes du CTO pour discuter avec un développeur qui ne remplit pas les conditions, ça ne vaut pas la peine. Même si le gars, il a de la bouteille, il a de l'expérience, ils n'ont pas envie de perdre 30 minutes avec une personne qui n'a pas été capable de prendre une journée ou deux journées pour rédiger un CV correct. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas se dire que j'aurai la chance de passer une interview pour pouvoir me défendre. Sur le CV déjà, on peut se faire éliminer très rapidement. Et nous, à notre niveau, on élimine beaucoup, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on donne des tests, on s'assure que la personne a le niveau. Et là, maintenant, avant de faire passer à l'entreprise, on redemande encore de refaire le CV. Il y a certains développeurs qui sont, je ne sais pas comment le dire, mais qui sont assez bornés. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas changer leur CV. Ils se disent, j'ai déjà eu des offres d'emploi avec ce CV-là. J'ai déjà eu des offres d'emploi avec telle compagnie, X, Y, Y, mais qui ne sont pas ouverts à changer de CV. On a dit simplement, on sait les types de CV que nos clients recherchent. Et pour nous, le fait juste d'envoyer un CV qui ne correspond pas à ces standards-là, ça crée un problème de crédibilité à notre niveau. Donc, simplement de retravailler vos CV, savoir exactement ce que vous mettez sur vos CV et je pense que ça va bien se passer. Ce lien, ce que je vais faire, je vais juste l'ajouter en discussion. Il est gratuit, vous pouvez juste aller télécharger, essayer de visiter votre CV et juste m'envoyer, je ne sais pas comment on va faire parce que je suis plus sur Facebook. Donc, je vais vous donner juste mon email. Tu peux donner ton email et puis... Oui, c'est ce que je vais faire. OK, parfait. Voilà. Donc, vous pouvez juste m'envoyer vos CV, tout ça. Vous pouvez regarder, puis, s'il y a des modifications ou si ce template-là ne correspond pas vraiment à votre profil, on pourra toujours le refaire parce que
les personnes qui sont assez bien outillées avec Adobe et Illustrator. Donc, ils peuvent faire des CV beaucoup plus beaux. Mais il faut pouvoir avoir en tête de suivre une guideline pour pouvoir un template pour pouvoir écrire son CV. Je pense qu'il va avancer rapidement sur la présentation pour qu'on puisse échanger réellement. Donc là, je vais passer en présentation. Ici, c'est différents sites Internet que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous former. Par exemple, avec Edabit, vous avez accès. Excusez-moi. Voilà. Ici, vous pouvez apprendre à coder. Quand il dit apprendre à coder, il vous donne la latitude de pouvoir vous former au jour le jour. Par exemple, avec CPHP, vous allez voir une liste de tests. Par exemple, avec les booléens, less than, en dessous, ce type de test-là, vous pouvez juste cliquer. Et puis, vous avez un test d'algorithme. Et vous essayez de résoudre maintenant ce challenge-là. Vous perfectionnez au jour le jour. Parce qu'une compagnie comme Digital Ocean, par exemple, eux, ça n'intéresse pas quelqu'un qui est capable de faire un CD A à Z. Ça n'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est quelqu'un qui peut écrire du code de qualité. Et pour pouvoir postuler à ce type de compagnie, hein, comme Google ou Microsoft, il faut que côté algorithme, il n'y a aucun souci. Je reçois un message. OK, le lien. OK, donc, pour eux, il faut pouvoir aller sur cette plateforme-là, faire des tests, se former, répondre à ces challenges, essayer de réussir ces challenges-là, parce que c'est le type de tests que vous aurez si vous partez en entretien. On ne va pas vous demander d'écrire, de faire une simulation de projet de e-commerce et tout ça. Vous prenez ce type de test-là. Et lorsque vous passez, ils se disent, OK, s'il est capable d'écrire ce type de résoudre ce type de problème, il est notre homme pour rejoindre notre équipe. Parce qu'une compagnie comme Facebook ou Google, lorsque ils vous recrutent, ils vont passer au moins 3 mois, 4 mois à vous apprendre comment coder pour eux leur plateforme. C'est-à-dire, on vous dit, n'utilise pas ce type de variable. Lorsque tu déclares une variable, il faut utiliser cette syntaxe-là. N'utilise pas ce type de fonction ou n'utilise pas cela. On est tous ces principes-là avant que vous ayez accès à votre code base pour pouvoir interagir avec. Donc, si vous visez ce type de compagnie, il faut que vous utilisez les plateformes-là. Il y a aussi une plateforme du même type. Excusez-moi, je vais essayer de revenir. OK. Il y a une entreprise du même type qui s'appelle AlgoExpert. Ils font beaucoup de publicité sur YouTube et tout ça. C'est le même principe. C'est des interviews. Vous avez des questions d'interview pour vous préparer aux tests de Google, de Facebook et tout ça. Et c'est une très bonne plateforme. Le seul souci, bon, ce n'est pas un souci si vous êtes prêt à miser, hein, c'est que c'est payant, mais vous avez vraiment accès au type de test que vous aurez à résoudre lorsque vous allez travailler pour une grosse entreprise. Donc, vous pouvez aller là, vous préparer, et puis vous allez toujours être à un meilleur niveau. Bon, il y a aussi notre contribution aussi pour les développeurs qui veulent apprendre. Nous, c'est une plateforme de communautaire. On a le soutien de IBM au Ghana et au Nigeria. Ils nous donnent accès à leur plateforme. Je pense qu'elle est déjà partagée à une bonne partie de la communauté des 10 000 codeurs, des 10 000 codeurs pour qu'ils puissent avoir accès au contenu de IBM et avoir les certificats. Et il y a aussi avec Microsoft. Avec Microsoft, on a un partenariat avec eux au Kenya. C'est-à-dire qu'on a des développeurs juniors, des juniors ou des élèves
qui ont eu accès à la plateforme de certification de Microsoft. Donc, ils ont suivi un cursus de formation de, je pense, 2 mois. Et après ces 2 mois-là, Microsoft leur a donné la possibilité de passer librement des certifications sur Microsoft. Et une bonne partie, ils ont su tirer profit et ils ont pu avoir leur certificat. Là, je ne sais pas s'il y a les bons accès. OK, les bons accès. Donc ici, sur la plateforme, c'est assez simple. Par exemple, pour quelqu'un qui dit qu'il veut apprendre HTML, JavaScript ou React, il clique React, par exemple, il a ce qu'il doit connaître en tant que développeur React. Ça va faire déjà Hello World, comprendre ce que c'est que JS6 ou les templating et tout ça. Qu'est-ce qu'un component, qu'est-ce qu'un prop, voici ce qu'il doit apprendre. Et ici, c'est une liste de tutoriels, vidéos ou juste des books qu'il peut aller consulter pour pouvoir apprendre. Par exemple, s'il clique ici, il ira sur cette chaîne YouTube-là pour apprendre à qu'est-ce que c'est en 5 minutes. Et il a accès à toute une formation pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer une formation Udemy ou autre. Et derrière, lorsque cette personne a terminé, il pourra passer un quiz sur React. Et après avoir passé un quiz sur React, il pourra soumettre son propre projet sur la plateforme. Et ce projet-là pourra être accessible à tous les développeurs de la plateforme, à tous les apprenants de la plateforme qui pourront venir regarder le code, donner des suggestions et autres. Et à la fin, ils pourront nous soumettre. S'ils disent, OK, j'ai vraiment bien appris React, je pense qu'il y a un super niveau, je voudrais que maintenant Codeline nous teste pour pouvoir me présenter au client de Codeline. Donc, cette partie-là qu'on essaie de pousser, on a déjà, comme j'ai dit, un partenaire avec IBM et Microsoft. On essaie d'avoir d'autres partenaires pour avoir du contenu plus original. Parce que là, c'est le contenu du web. Mais on voudrait que des compagnies comme du type Microsoft, IBM, qui sont capables d'avoir du contenu original payant, puissent le rendre accessible au plus grand monde, en fait. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas que tous les développeurs soient enfermés chez nous. Pour nous, tant qu'un développeur gagne sa vie, il arrive à avoir des emplois et tout ça, c'est déjà intéressant. Si dans 2 ans, 3 ans, il s'est dit, OK, je cherche un offre d'emploi, il s'est dit, OK, j'ai déjà utilisé le service de Codeline sur cet aspect-là, je pense qu'il peut m'aider. Pour nous, c'est sur du long terme, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on regarde sur le court terme, parce que là, c'est des juniors développeurs, c'est dédié vraiment aux développeurs juniors, alors que nous, notre clientèle, c'est plus des personnes qui sont un profil intermédiaire à senior, des personnes qui ont au moins 3 années d'expérience qui intéressent nous, nos clients. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Là, je vais juste vous présenter rapidement mon équipe. On a une équipe assez diverse. On a Eléon Thomas, qui est notre CEO, qui est nigérian. Il y a moi, il y a Felicia, qui est notre CTO, qui est en charge de tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est DevOps sur la plateforme. Et il y a Denis, qui est en charge. On ne voit pas l'équipe là, tu as monté. On ne voit pas l'équipe? OK, je vais. Vous voyez l'écran maintenant? Ouais, on voit l'écran. Mais tu peux. OK, parfait, c'est bon. C'est mieux? Oui, c'est mieux. OK. Donc, comme je disais, il y a Elon Thomas qui est notre CEO, qui est développeur. Alors aussi, nous tous, on est tous ingénieurs informatiques. Il y a Felicia qui est notre CTO. C'est elle qui est en charge de tout ce qui est infrastructure, toute l'infrastructure de la plateforme. Et il y a Denis qui est en charge aussi du développement de la plateforme et tout. Donc, et on a une équipe. Là, c'est plus site, c'est plus l'équipe des cofondateurs. On a maintenant près de 5 personnes qui travaillent avec nous à plein temps. Et là, ce sont nos mentors, les personnes qu'on appelle vraiment presque chaque semaine pour avoir leur avis sur comment diriger notre business, tout ça. Donc, ouais, je pense que côté présentation,
C'est vraiment moi ce que je voulais présenter. Si vous avez des questions, je pense qu'on peut commencer à discuter. Ok, merci. En tout cas, Dester, merci pour ta présentation. Comme je dis, on a toujours besoin d'avoir toutes ces informations-là pour pouvoir justement être non seulement crédible, mais aussi à se préparer avant de pouvoir postuler sur l'international. La première question que moi j'ai pour toi, c'est comment concrètement quelqu'un pourrait vous approcher pour pouvoir ensemble passer ces étapes-là. Comment cela se fait concrètement? C'est via un mail, c'est via c'est comment? Comment ça se passe? Et puis la dernière question, pardon, c'est de savoir, tu as parlé beaucoup du compte GitHub. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de mettre en avant le compte GitLab pour ceux qui ont switché juste après ce concert au niveau de GitHub? Donc, voilà un peu la question. Merci. OK. La première question, c'est comment nous approcher? C'est assez simple. Il suffit juste d'aller sur notre site Internet. Je vais juste écrire là, podlin.com. Aller sur notre plateforme et juste s'inscrire et remplir son profil, mettre ses compétences, passer les quiz qui sont sur la plateforme, par exemple. Si vous êtes un développeur front-end, passer les quiz HTML, CSS, JavaScript pour pouvoir gagner son profil, pour que les personnes puissent se dire, OK, si vous avez passé, par exemple, 70% au test de JavaScript et vous avez aussi des projets à votre actif, c'est beaucoup plus attractif pour nos clients. Parce que c'est une marketplace, donc les entreprises peuvent juste venir sur la plateforme et trouver des profils qui les intéressent. Donc, la plateforme qui est là, si vous arrivez à me joindre, là, je suis plus sur Facebook. Il y a mon email qui est là, je pense bien. Donc, c'est assez simple. Et il y a mon contact que je vais partager juste après. Donc, il suffit juste d'utiliser l'un de ces moyens-là. Maintenant, c'est ouvert, il n'y a vraiment aucun souci pour nous. Si vous ne répondez pas aux critères recherchés par nos clients, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a une étape de pédagogisme qu'on essaie de supporter. Comme je vous ai montré, la plateforme de e-learning pour vraiment aider les juniors à pouvoir monter en compétences, à pouvoir monter en compétences pour pouvoir avoir ces offres-là. Parce que notre objectif réel, c'est que les développeurs africains deviennent comme les développeurs indiens il y a cela quelques années, qui deviennent maintenant la référence, que les entreprises internationales se disent, OK, j'ai envie de recruter des développeurs. Peut-être que je n'ai pas les mêmes moyens. Je n'ai pas envie de mettre 10 000 $ ou 12 000 $ comme aux États-Unis si un développeur. Je peux venir en Afrique, par exemple, et trouver un profil assez similaire pour peut-être 3 000 $ ou 4 000 $ C'est vraiment ça notre objectif. Parce que lorsqu'on discute avec nos clients, on ne les vend pas, c'est-à-dire au prix local. C'est-à-dire un développeur qui a assez. Pour une entreprise locale qui nous approche, qui dit OK, on a un budget de 300 000, un budget de 500 000 pour un développeur, c'est OK pour nous parce qu'on peut discuter avec les développeurs et ça peut aller. Mais une compagnie qui vient de l'extérieur, on voudrait au moins que les développeurs puissent sortir au moins avec 1 000 $, 1 700 ou 2 000 $. Donc, on essaie vraiment de pousser de ce côté-là. Allô? Okay. OK. La seconde question. GitHub, GitLab. OK, GitHub, GitLab. Ce n'est pas un souci. Tant qu'il y a, une des plateformes qui est utilisée, si c'est GitLab, il faut s'assurer que le compte est en public. Il faut vraiment s'assurer que le compte est en public parce qu'il y a plusieurs développeurs qui utilisent le compte GitLab, mais les projets listés sont tous en privé. Et là, l'entreprise n'a aucun moyen de vérifier les compétences du développeur si cette personne-là n'a pas des projets actifs, n'a pas au moins 2 ou 3 années d'expérience avec des projets réels. C'est assez compliqué pour l'entreprise de décider.
question pour toi, Dexter, c'est Abou. Tu penses que tu as beaucoup parlé depuis le début. Tu as montré l'exemple des compagnies avec qui vous parlez. Je pense que ça nous aiderait tous si tu nous fais un comparatif de ton expérience entre les développeurs francophones et les développeurs anglophones. OK. Parce que je pense qu'il y a un impact là quand même dont on doit parler. Oui, oui. Je pense que déjà, c'est une différence de mindset. Mais je ne pense pas que ce soit la différence de mindset que tout le monde parle ou dit les anglophones sont beaucoup plus gagneurs ou sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus compétents. Je pense que c'est une différence culturelle. C'est plus sur la manière de s'épanouir d'un francophone. Par exemple, je vais prendre un exemple bien clair. Pour l'œuvre de Wikipédia, par exemple, on avait différents profils sur l'offre. Il y avait des francophones, il y avait des anglophones, il y avait des personnes qui étaient bilingues. Et sur les CV des Nigériens, des Kenyans, on sentait vraiment qu'ils étaient déjà habitués à travailler avec ce type de compagnie. Parce qu'il y a une réalité qui est là. La majorité des startups, des grandes entreprises sont beaucoup plus côté anglophone. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux de travailler avec des pays anglophones. Donc, les développeurs anglophones sont beaucoup plus exposés. Ils savent que voici ce qui marche lorsque tu discutes avec une compagnie de ce type. Voici ce qui ne marche pas. Côté francophone, c'est assez limité. Déjà, l'expérience internationale des développeurs francophones, c'est beaucoup plus la France. Et il y a très peu de développeurs ivoiriens qui travaillent pour des compagnies en France. Donc, il y a une différence lorsque on postule. Sur le CV, il y a des verbes d'action qui ne suivent pas. Par exemple, lorsqu'on met sur son CV, j'ai géré, j'ai fait tant, ça n'engage pas. Lorsqu'on dit j'ai réalisé, j'ai construit, là, on montre que c'est la personne elle-même qui a construit l'application. Et pour des Américains, c'est beaucoup plus engageant pour eux. Ça leur donne cet a priori-là. Ça peut être un bias, mais ils se disent que cette personne-là, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui construit les choses par elle-même et qui avance. Mais côté francophone, on a beaucoup de réticence à dire qu'on est expert dans son domaine. On a beaucoup de réticence à dire que je suis très bon en React, je suis très bon en PHP. On va plus te dire, oui, je maîtrise, je connais PHP, j'ai réalisé quelques applications avec cela, avec une certaine nonchalance. Il faut pouvoir convaincre lorsque on a un entretien, pouvoir se vendre. Et lorsqu'on se vend, quand il est en train de vendre un produit, il ne dira jamais que, oui, ce téléphone-là, oui, il peut te permettre d'appeler, il peut te permettre de faire tant, de manière nonchalante. Va te dire que c'est le meilleur téléphone du tout le marché. Va te dire que le microcontrôleur qui est à l'intérieur te permettra de faire plusieurs choses, plusieurs tâches. Donc, c'est la différence-là que je constate beaucoup plus côté francophone et anglophone. Et curieusement, sur l'offre de Wikipédia, c'est un développeur camerounais qui a été recruté. Et on s'est juste rendu compte que c'était un Camerounais du côté anglophone qui a reçu l'offre. D'accord, merci. Je pense que Saint-Cyr a une question. Alors, si n'hésitez pas, ouvrez votre micro et je vais poser là. Saint-Cyr, tu es toujours coupé. Hein. OK, en attendant qu'il me pose sa question, moi j'aimerais revenir aussi sur le CV. OK. Est-ce à dire, bon, disons comme le grand Fabou l'a dit, est-ce que tu préconises qu'un développeur ait un CV en anglais ou un CV en français? Donc, parce que je pense que
ça peut peser aussi. Je sais pas. Oui. Déjà, il faut avoir deux CV. Un CV en anglais, un CV en français, un CV en anglais. Si on pense qu'on veut se vendre à l'international, par exemple, si vous, dans toutes vos recherches, vous vous limitez côté francophone, déjà, vous vous limitez beaucoup. Vous limitez beaucoup parce que vous allez rater plein d'opportunités. Les entreprises qui paient le mieux sont côté anglophone. Lorsque vous regardez un développeur qui est basé en France, le salaire qu'il va toucher, pas brut. Brut, il peut se retrouver en brut à 5 000 ou peut-être à 4 000 euros. Mais le salaire réel à la fin va tourner autour de 2 000, 2 500 pour un développeur d'assez bon niveau. Alors que pour ces mêmes types de profils-là, il suffit juste de passer côté en Allemagne parce qu'on a quelques clients de ce côté-là. Les salaires sont déjà réellement différents. Et la majorité des excellents développeurs français partent beaucoup plus côté Allemagne, côté Angleterre, parce que les salaires sont beaucoup plus élevés. Et il y a une autre chose aussi, lorsque on rédige son CV en anglais et qu'on se met vraiment en anglais, à apprendre l'anglais, on est super favorisé. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entreprises qui essaient, américaines ou européennes, qui décident de s'implanter en Afrique. Et ils ont bien des personnes, des ressources du continent, mais ils ont aussi besoin des personnes qui maîtrisent leur métier. Mais lorsque vous mettez que vous savez coder et que vous êtes bilingue, vous pouvez être juste gagnant à tous les niveaux. Parce que se disent que si on a des contraintes, on a des partenaires avec lesquels on va discuter côté francophone ou anglophone, ça sera beaucoup plus simple pour cette personne-là de pouvoir discuter parce qu'il a déjà, l'expérience du terrain et qu'il comprend déjà les réalités culturelles. Par exemple, on a une compagnie au Ghana qui nous avait demandé de leur trouver un CTO. Et on leur, par chance, on a pu recommander un bilingue. Et lorsqu'ils ont vu le CV du bilingue, ils ont dit, c'est plus la peine d'envoyer d'autres profils. C'est cette personne avec cette personne-là qui veut travailler. Donc, juste pas demander d'avoir d'autres CV. Ils ont juste sélectionné la personne parce qu'ils avaient des clients qui venaient du Congo. Et c'était assez difficile pour lui de discuter avec ces personnes. Mais avec lui, c'était beaucoup plus simple parce qu'il pouvait prendre part aux réunions, pouvoir faire des traductions. C'est un extra travail, mais vu qu'il était CTO, un CTO n'est pas censé être un codeur à plein temps, un CTO manager. Donc, c'était tout bénéfique pour eux. Et lorsque ce CTO, après 3 mois, a décidé de quitter l'entreprise, parce qu'il avait une offre beaucoup plus intéressante. Ils nous ont mis juste comme contrainte qu'ils voulaient un bilingue encore, parce qu'ils avaient déjà vu l'apport de ce côté-là. Et par chance encore, parce que c'est assez difficile, on a pu avoir un autre bilingue qui venait du Togo, qui est parfaitement bilingue, qui a le même type d'expérience et tout ça, et on a pu remplir ce truc-là. Et on a constaté cela sur une bonne partie des demandes qu'on a. Les entreprises nous demandent, OK, vu que vous avez déjà une présence dans de nombreux pays, vous avez déjà accès à plusieurs développeurs, on voudrait avoir en priorité des bilingues. Et c'est vraiment un avantage qu'il faut avoir. En tant que développeur, on va écrire du code en anglais. Donc, il faut pouvoir se mettre en anglais et puis pouvoir avoir accès à ce type d'offre-là. Ah. OK, c'est de voir dans la discussion s'il y a d'autres questions, comment ça va. Et puis, je pense, pour compléter, avant que qui serait intéressant, pourquoi pas, je passe sous le contrôle du grand Fabou, de voir en fait comment est-ce que déjà
avec Codelen, avec d'autres partenaires, on pourrait penser à ce type d'initiative aussi pour voir comment tester déjà le niveau des devs au niveau de la Côte d'Ivoire et ça sera parfait, comme on le fait pour les sondages des développeurs. Merci. Merci. Je ne sais pas, Saint-Cy, tu as pu régler ton micro? Bon, il n'est plus sur le coup. OK. Je constate aussi qu'il n'y a pas de questions sur Facebook. OK. Donc, ce que moi je tiens à dire, c'est déjà. C'est encore merci à toi, Dester. Et puis. Voilà, on garde le contact. Toutefois, qu'il y a un sujet que tu veux partager avec nous, le webinaire ouvert, et comme je le dis à tous les autres, on a commencé par une série de webinaires, mais après la situation de la COVID-19, on aura d'autres actions que nous allons mener pour pouvoir encore avoir plus d'impact et de faire monter justement le niveau des devs que nous avons. Donc, je pense qu'il y a Cabran qui a une question. On va nous permettre de poser la question avant que tu ne donnes ton mot de fin. Merci. D'accord, OK. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord. Donc, merci à toi, Dester, pour cette présentation. Elle était très bien faite. Moi, ce que je voulais poser comme question, c'est, genre, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux ingénieurs, aux développeurs juniors? Par exemple, là, tu as parlé de la plateforme de Codelen qui est déjà très bien. Mais est-ce que avec seulement des tuteurs, est-ce que ça suffit pour improve ses tech skills pour qu'on puisse devenir plus performant, surtout quand on n'est pas imprégné dans un certain nombre de projets réels en entreprise. Donc, c'était ça ma question. Merci. Je pense que pour un développeur junior, le plus important, c'est de pratiquer, de pouvoir réaliser des projets, de pouvoir faire des choses réelles, de ne pas juste se limiter aux tutoriels et tout ça. C'est pourquoi notre plateforme, on met beaucoup l'accent sur, lorsque vous avez fini de terminer un tutoriel et tout ça, de pouvoir faire des quiz sur notre plateforme et faire un projet sur notre plateforme. On vous envoie, par exemple, un projet réalisé, un site e-commerce avec les différentes descriptions de les différentes questions de requirements. Et lorsque vous réalisez ce projet-là, vous pouvez l'ajouter toujours à votre GitHub. Parce que le plus important, c'est que sur votre GitHub, on puisse voir que vous avez des projets actifs que vous avez réalisés, qu'on puisse voir aussi que. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas encore un emploi qui vous donne la possibilité de travailler sur un projet réel, mais vous-même, vous avez à créer des applications par vous-même. Parce que je pense que pour un développeur, ce n'est pas assez compliqué de trouver un projet pour se motiver, pour réaliser. Ça peut être juste, qu'est-ce que je peux dire par exemple? OK, vous avez des problèmes de publicité. Sur votre navigateur, vous êtes fatigué de voir les propres publicités et tout ça. Vous dites, OK, je vais essayer de créer mon tool à moi qui va permettre de pouvoir supprimer ces publicités-là de mon navigateur. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller regarder sur GitHub pour voir le code source de uBlock Origin, regarder comment c'est structuré, apprendre de ce code-là et puis se dire, OK, je vais créer le mien avec le langage que je maîtrise. Et lorsque vous commencez à pratiquer de cette manière-là, c'est déjà une preuve déjà pour toute compagnie qui vous doit vous recruter. Je dirais, OK, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui n'attend pas qu'on lui donne des choses à faire pour commencer à les réaliser. Parce qu'on attend d'une personne d'être à ce niveau, d'être indépendante. On ne peut pas confirmer, c'est la chose la plus irritante, c'est de recevoir d'un junior des messages chaque jour, à chaque moment, des questions sur des choses pour nous peut paraître futiles. Mais lorsque quelqu'un vient et nous dit,
OK, je ne sais pas faire step. Un for loop. Je ne sais pas faire temps. Je ne sais pas faire temps. Je dis, mais il y a un tutoriel qui est là. Pourquoi tu ne vas pas regarder comment ça s'est fait? Voici les liens qui sont là. Va, pratique et donne-toi un projet. Maintenant, lorsque tu réalises ce type de projet et que tu m'appelles, je dis, OK, je suis en train de traverser telle application, mais il y a ce truc-là que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à créer cette relation de la base de données, tout ça. J'ai besoin vraiment de ton aide. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit déjà tout l'effort que la personne a déjà fait et on se dit, OK, c'est juste un problème de compréhension maintenant et c'est beaucoup plus simple d'expliquer. Je pense que pour un développeur, il faut apprendre à être autonome, mais il faut aussi apprendre à poser des questions, à se poser des questions, aussi à poser des questions aux personnes qu'on approche en fait. Même si les personnes sont assez ouvertes, il faut se dire aussi que le temps est assez limité. Donc, lorsque on les approche, il faut venir avec des choses qui sont pertinentes. Très bien expliqué. Merci beaucoup. Je valide effectivement, comme tu l'as dit. Quand tu approches un senior, il faut t'assurer que tu as fait tes devoirs d'abord et que tu es bloqué. Que de venir dire et t'attendre à ce qu'on te donne tout, en fait. Comme Dexter a dit, il n'y a rien de plus irritant, en fait. Parce que on sent que tu n'as pas fait ton travail, le travail de base, et que tu attends à ce qu'on fasse tout pour toi, quoi. Et comme Dexter a dit, la plus grande qualité d'un bon développeur, c'est l'autonomie. De pouvoir trouver les solutions seul, se débrouiller seul pour arriver à trouver la solution du problème. Merci. OK, allez. Donc, on dit encore merci à Dexter, merci à tout le monde. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous suivent. Et on va laisser Dexter donner son mot de fin. Après, on pourra clôturer. OK. Je pense que pour le mot de fin, ça sera beaucoup plus d'avoir des modèles. Par exemple, sur le CV que j'ai partagé, le lien, vous allez voir, par exemple, qu'il y a des liens pour voir des profils LinkedIn. C'est-à-dire, j'ai envie de rentrer, par exemple, je viens de travailler pour une compagnie comme Facebook ou Google. La chose la plus simple à faire, c'est d'aller voir des profils de développeurs qui travaillent à Facebook ou à Google. Voir les types, pour quel type d'entreprise ont travaillé, sur quel type de projet ont travaillé. Vous pouvez même aller voir leur profil GitHub, voir les types d'applications qu'elle réalise et se dit, OK, je vais aller à Facebook, voici ce que je dois apprendre. Je veux travailler, par exemple, pour un groupe, par exemple, en Afrique, pour une banque et tout ça. Vous avez accès à tous ces profils-là, de ces ingénieurs-là. Il suffit juste d'aller regarder, voir se dire, OK, j'ai vu les profils, je vois déjà les compétences que je dois avoir et essayer de les atteindre. Et je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est que tous les développeurs se disent qu'il faut apprendre à parler anglais. Il faut que ce soit comme un skill. Quand je dis je vais apprendre PHP, je vais apprendre React, il faut que je se dise aussi je dois apprendre anglais, l'anglais, parce que il y a beaucoup plus d'offres intéressantes. Quand je dis intéressantes, c'est des projets innovants sans dévaloriser les francophones, parce que je vois déjà beaucoup de projets côté francophone, mais l'argent est côté anglophone. L'argent est du côté anglophone. Et si vous voulez avoir accès à ce type de projet-là, il faut que les personnes puissent communiquer avec vous. Et si vous arrivez à communiquer avec eux, vous allez voir que les personnes qui travaillent pour les compagnies à l'extérieur, tout ça, n'ont rien de spécial au fait. C'est juste qu'ils savent exactement vers là où ils vont. Donc, ils se donnent les moyens de pouvoir travailler avec ce type de compagnie. Allez, donc merci beaucoup Dexter, merci à tout le monde. Et puis, on va se dire bonne soirée. Et merci. On va partager aussi les liens que Dexter nous a envoyés dans cette discussion pour qu'on puisse les mettre sur Facebook, puisqu'il y a des personnes qui demandent les liens sur Facebook.
OK, donc merci. Ce que je vais faire, je vais donner juste le lien. OK, regarde le lien du doc. Hein. OK. Vous avez le lien du Drive? Merci beaucoup. Ouais, tu m'envoies les différents liens. OK. En fonction de la discussion, les différents liens, et puis on pourra les balancer. Donc merci à tous. Okay, on reste en contact. Tu peux m'envoyer ces liens sur WhatsApp ou que je pourrais diffuser là-bas. OK, ça marche. Et bonne soirée. OK, bonne soirée.